Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de suivre le programme de Radio Espoir et merci de suivre cette capsule sur Kefa TV. Nous sommes avec Sœur Léonie Manda. Elle est religieuse NDP. Elle fait partie des grosses coupures, des grosses têtes de Talita Kum, parce qu'elle est la vice-coordonnatrice de Talita Kum Côte d'Ivoire. La sœur Léonie Manda est venue aujourd'hui nous présenter Talita Kum, son action, ses activités, ses causes, mais surtout l'historique. Comment ça a commencé avec cette histoire de Talita Kum à Abidjan? Ma sœur, bonjour. Bonjour, monsieur Kipré. Elle est surprise parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'elle m'appelle. C'est habituellement. Monsieur, soyez à l'aise, ne vous en faites même pas pour je ça. Sais pas, je sais pas. Voilà, donc allons-y. Alors, parlez-nous de Talita Kum. Bonsoir à tous. Nous sommes sur ce plateau cet après-midi pour encore vous rappeler ce que c'est que Talita Kum et ses débuts d'une façon générale. Et puis aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, quand ça a commencé. Donc, comme monsieur qui vient de me demander, je voudrais vous rappeler qu'avant tout propos, bon, il convient que je vous rappelle que je vous donne encore l'historique du réseau Talita Kum, même si mes devancières ont déjà parlé de ça. Les débuts de Talita Kum remontent à la fin des années 90. En effet, c'est lorsque des religieuses travaillant auprès des femmes victimes de violences ou en situation d'exploitation sexuelle ont découvert cette douloureuse et violente réalité de la traite des personnes que des consciences se sont éveillées. Ainsi, l'Union des supérieures générales participant à une session plénière tenue à Rome du 6 au 10 mai et approuvée officiellement par l'Assemblée des délégués le 13 mai 2001, décide de répondre à ce besoin, parce que c'est un réel besoin. Ainsi, plus de 800 congrégations religieuses se sont engagées à mettre leur personnel et leurs ressources financières pour lutter aux côtés des organismes déjà sur le terrain, en sensibilisant au mieux la population afin de réduire, voire éradiquer le phénomène de la traite. Pour ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, le réseau a véritablement commencé ses activités en 2021, après la session de formation de Talita Kum, animée par Sœur Yvonne Clémence Bambara, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, venue de Bobo-Dioulasso et représentante de Talita Kum en Afrique. Il y a eu plusieurs congrégations qui se sont, ce jour-là, qui ont été présentes pour la formation. Et je vous passe les... Non, on veut savoir lesquelles. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu plusieurs congrégations comme ça. Donc... En tête, ce sont les 16 avières. Ce sont elles qui ont initié l'arrivée de Talita Kum en Côte d'Ivoire. D'accord. Ensuite, on a eu nos sœurs Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame de la Paix. Il y a eu les frères mineurs capucins. Nous avons eu aussi nos sœurs 5 heures de Jésus et de Marie, les sœurs de Notre-Dame du Calvaire, les sœurs Marie Consolatrice. Pour ces deux congrégations, je souhaiterais que, en ce moment même, nous fassions une minute de silence, parce que ces deux congrégations font partie des pionnières, et malheureusement, celles qui étaient avec nous ont été rappelées à Dieu. Non. Donc, je souhaiterais que nous nous arrêtions un petit moment pour penser à elles. Merci, nous pouvons continuer. Il y a eu aussi les sœurs de l'Annonciation de Kony, les pères jésuites, l'apostolat de la mer et des migrants.
les sœurs de la Focolari. Voilà. Ce sont les congrégations pionnières. Mmh. Voilà. Ceci dit, nous passons au sujet pour... C'était donc une session internationale, puisqu'elles sont de Kony, elles sont de Burkina. Non, c'est pas une, c'est une formation nationale, puisque elles sont les sœurs sont représentées ici en Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Okay. Donc, quand elles viennent d'ailleurs, ça devient international. Mmh. Et nous sommes là, nous sommes... Tout sur le territoire. Tout sur le territoire ivoirien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là surtout pour parler des différentes causes, ce qui pousse les gens à aller à l'aventure et à être traités, maltraités et traités. La traite des personnes, on peut définir cette traite comme une ignominie qui touche presque tous les pays. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le Burkina, il n'y a pas que l'Europe. C'est tous les pays et pratiquement tous les continents aussi. Que ce soit le pays de provenance, le pays de transit ou le pays de destination. Cette forme d'esclavage moderne est un affront à la dignité humaine, car elle est le plus souvent associée à des actes de terreur psychologique et de violence physique. Et pourtant, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article premier qui dit ceci, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. » Et aussi en son article 4, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. » L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Au vu de ces deux articles, nous pouvons dire que la traite des humains est une violation grave des droits de l'homme. Nous voyons maintenant les différentes causes de la traite. Dans ces causes, on peut en distinguer trois groupes. Il y a les causes socio-culturelles, les causes socio-politiques, les causes socio-économiques. Les causes socio-culturelles. Dans ce premier groupe de causes se trouve l'illettrisme et les occasions inadéquates d'éducation et d'emploi, ainsi que le manque de perspectives en éducation. Il y a l'analphabétisme, c'est-à-dire que le manque de scolarisation. Parce que l'illettrisme, la personne a été à l'école, mais n'a pas eu la chance de terminer ses études. Ou bien il est parti, mais il n'a pas maîtrisé tout ce qui le contour. Et donc, il quitte l'école. Et puis, on voit aujourd'hui nos frères qui n'ont pas pu continuer, qui sont allés au village et qui n'ont plus pratiqué. Et malheureusement, ils perdent. Donc, souvent, on dit le demi-lettré est plus dangereux que l'analphabète. Donc, voilà un peu la différence entre l'illettré et l'analphabète. On trouve aussi l'érosion des valeurs traditionnelles. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tout ce qui était valeur dans la tradition, le respect, par exemple, de l'aîné. Mmh. Quand un aîné te parle, tu n'as pas le droit de le regarder fixement. Aujourd'hui, on n'en trouve plus ça. C'est dépassé. Or, tout ça constituait une base d'éducation vraiment bien forgé et tout. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui, entre guillemets, qui commande. Tout ce que l'enfant veut, c'est bon. Tout ce qui est valeur d'avant, on dit, c'est ça devient chaotique, c'est dépassé, quoi. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi qui fait que aujourd'hui, chacun se lève, il fait ce qu'il a envie de faire. Il mm-hmm. y a la discrimination raciale et le racisme même. Mm-hmm. Je ne vais pas loin, entre nous-mêmes, dans le même pays,
Aujourd'hui, on va dire, quand on parle de palabre, on dit célébrité. Mm-hmm. Quand on parle de, on peut dire, on dit souvent, c'est les gens de l'Ouest qui mangent l'homme. Mm-hmm. Qu'est-ce qui prouve tout ça? Il y a une discrimination quelque part. Ou bien une personne, c'est une femme, la femme ne sait rien faire. Il y a préjugés. Voilà, les préjugés. Mmh. La femme, quand on est au volant, la personne ralentit un peu, on dit c'est une femme. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est une femme. L'homme aussi peut aussi commettre des erreurs dans les choses comme ça. Mais il y a déjà une discrimination. Il y a même l'intolérance. Je ne peux pas tolérer que mon ami avec qui je suis à l'école, aujourd'hui m'ait dépassé, est peut-être président, donc je chercherai tout pour le nuire. Il y a le mariage forcé dans certaines cultures. Mmh. Il y a la défaillance même dans l'éducation. Comme je disais tout à l'heure, nous, en tant que parents, on a démissionné. Mmh. On court après l'argent, mais l'éducation de l'enfant, on confie l'éducation de l'enfant à la servante, peut-être qu'elle est là. Peut-être elle-même n'a pas eu de base d'éducation. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Même si elle a une base d'éducation, quand elle a tout le travail de la maison à faire, quel temps elle prendra pour s'occuper de l'enfant? Donc, il y a ça. Quand on part de la base de ce qu'on donne, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ce qu'on a, voilà. Et si on n'a rien reçu, ça va être compliqué à gérer. Tout à fait. Si elle avait reçu beaucoup, elle ne serait pas à notre service. Elle serait dans un bureau avec une voiture climatisée, voilà. Un chauffeur, et voilà, dans une grande villa avec des avantages. Elle aussi, elle aurait eu des servantes assassinées. Ah! Et pourtant, quand il faut employer ce type de personne, on oublie tout ça. Ah oui. Et puis on lui confie aveuglément l'éducation de nos enfants. Et puis on revient après, on est surpris du résultat. Mmh. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Ah. J'ai vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux une jeune dame qui travaillait chez des patrons, hein, qui a passé son examen et qui l'a eu. Qu'on a scolarisé. Voilà, qu'on a scolarisé. Ouais, voilà. J'ai dit, ah, ça c'est Talita Koum, ça. Il faut qu'on arrive à un truc comme ça, Talita Koum. N'est-ce pas? Il y a aussi les médias et les nouvelles technologies. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire sans parler des médias. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans les médias, aujourd'hui, donc allez-y. On vous a fait quoi? Mais vous n'avez rien fait, mais oui. Vous nous présentez aussi certaines choses qui. Bon. Qui, à travers bon, des publicités séduisantes, hein, des lieux. Mais c'est le prototype même, c'est le fondement même de la publicité. La publicité, c'est de faire croire, paraître quelque chose, mais voilà. C'est pas ça. Mais ça stimule aussi notre rêve. Mais et on a envie d'aller c'est là-bas. Le principe de la publicité, ma soeur. Est-ce que vous pouvez redéfinir la prière en dehors de ce qu'elle a de corpus définitionnel? La prière, c'est la prière. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous fait entrer en nous-mêmes. La prière nous fait voir ce qu'on n'a pas pu maîtriser. Et vous voulez redéfinir la prière, comment? La publicité, là, on ne peut pas redéfinir, c'est comme ça? Mais on peut faire des publicités qui apportent. Positives. Voilà. Oui. Qui peut apporter. Que de nuire. Et puis tout à l'heure, en fait. Ma soeur, si vous prenez un garçon pour faire votre publicité à côté d'une jolie femme qui fait votre publicité, là, c'est pour la femme, là, on va prendre, on va payer. Ah, ça là, on fait comment? Mais ça doit changer. Vous dites que ça doit changer. Il faut purifier. Mm-hmm. Ça, c'est la soeur Free Françoise qui parle. Hein. D'accord. Allons-y. Et le fait aussi de confier des enfants à des membres de famille, tonton, tanti, nos amis, nos connaissances, sans vérification de vraiment de l'intention que portent ces personnes. Tout ça partie de des causes socioculturelles. J'avais dit qu'il y avait trois groupes. Mm-hmm. Nous arrivons à la cause, aux causes sociopolitiques. Dans ce second groupe de causes, on peut citer l'insécurité et l'instabilité politique dans nos pays. D'accord. Surtout nos pays africains. Il y a l'individualisme politique. Je suis au sommet, c'est moi seul qui compte. Le reste. La montée du chômage et la mauvaise insertion dans les sociétés, dans la société. Les nombreux conflits civiques et militaires. Je dirais toujours ça, c'est surtout dans nos pays africains. Les catastrophes naturelles.
il y a la mauvaise gestion de ces catastrophes. On assiste actuellement avec la pluie, le glissement de terrain, les gens meurent sur le champ, ça fait la une des réseaux sociaux. Et puis, quelque temps après, on oublie. Est-ce qu'on a aidé ces personnes réellement? Parce que l'année qui va suivre, la même chose va se reproduire. Or, on aurait pu peut-être déplacer ces personnes-là et puis leur donner quelque chose de plus décent, une maison plus décente. Mais bon, moi, j'appelle ça mauvaise gestion. Il y a la croissance du crime transnational, l'expansion des réseaux de trafic de drogue et d'autres choses. Il y a aussi la faiblesse des mécanismes juridiques et des mesures de sanction. Certaines personnes ne sont pas punies. Ceux qui doivent être punis ne sont pas punis et ceux qui ne doivent pas être punis sont punis. Il y a une injustice quelque part, mais bon, ce n'est pas de cela que nous sommes venus parler. Il y a la corruption, il y a les relations inégales d'exploitation politique et économique dictées par le Nord et qui ont pour conséquence une dégradation des conditions de vie sur le sud. Tout nous est dicté du dehors et nous on subit ici. Et on continue. Ah, quand on dit le Nord là, c'est quel Nord? Mon petit Nord là ou bien le Grand Nord? C'est le Grand Nord. Au-delà de nos frontières, de l'Afrique, du continent. Il ouais. Faut bien parler. Hein. Mm-hmm. Après là, ici là, Nord, Sud, Ouest, ça se complique vite, vite. Mm-hmm. Il y a aussi la politique restrictive de la migration qui a diminué les possibilités de migration légale. Aujourd'hui, vous allez faire vos papiers, vous avez payé, mais on ne vous donne pas de visa. Et quand moi j'ai fait ça une fois, deux fois, je préfère peut-être donner l'argent là à un passeur et qui va, on voit ce qui se passe à la fin. Il y a l'injustice et le mensonge politique. Il y a la formation des clans sur le plan politique. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au pouvoir, donc tout le pays Mbato est dans le feu. Voilà. C'est au pays Mbato, il y a des intelligents, il y a de tout. Et les autres peuples n'ont plus rien à voir. Ça aussi, c'est vraiment un fléau qui frappe l'Afrique. Il y a des ventes d'armes et l'augmentation des conflits armés dans et entre nos pays. Je ne vais pas ailleurs. Moi, je parle de mes pays africains. Ça se voit actuellement. Donc ça, c'est quelque peu les causes sociopolitiques qu'on a pu relever. Il y en a d'autres, mais nous, on a ciblé quand même un peu ce qui regarde notre traite. Nous en arrivons aux causes socio-économiques. La pauvreté. Actuellement, tout le monde vit ça. Il y a le sous-développement. La corruption se retrouve encore ici. Il y a l'exclusion. Il y a la fragilité du système économique. Nos pays. Les difficultés d'accès aux finances dans les banques. Je travaille, peut-être je gagne uniquement le SMIC. Mmh. Donc, ce que je dépose à la banque n'est pas assez. Si j'ai besoin de développer un projet, je ne peux pas aller demander un prêt à la banque ne va pas me donner. Si on nous faisait peut-être des petites facilités, ça ne nous pousserait pas à aller au-delà de nos frontières. Et puis, il y a les conditions de travail même et de vie. Voici un peu les causes qu'on a pu relever. Mm-hmm. Dans le domaine de la traite, les causes sont multiples. Nous avons essayé de mettre en exergue quelques-unes des causes, et non les moindres. Nous espérons que tous ceux qui nous écoutent ce soir prendront bonne note et feront le relais auprès des autres. Au terme de notre causerie, nous appelons chacun à la vigilance, parce que c'est le but même de Taïtakoum. La vigilance, chacun doit être vigilant. On ne demande pas de se méfier de mon voisin, mais quand même il y a des gestes qui peuvent attirer notre attention, et avec ces gestes, il faut être vigilante. Les réseaux de la traite, c'est les réseaux de la traite sont répandus partout. De plus, ils sont complexes.
ils opèrent d'une manière sournoise. Ils sont difficiles à identifier et le plus souvent inaccessibles au système légal. Voilà un peu ce que nous voulons dire. Ouais. Nous remercions tous ceux qui nous écoutent de leur aimable attention. N'est-ce pas? J'en ai vu fuir, quoi. Oh, que nous vous remercions. Oui. Sœur Léonie Manda, religieuse NDP, membre influente du réseau Talitakoum, vice, on va dire responsable, hein, coordonnatrice du réseau Talitakoum. En tout cas, merci pour votre instruction. Vous avez dû et pu remarquer le ton plus sérieux, plus calme, plus posé, plus tranquille, plus, on va dire, comment dire ça, plus responsable pour parler des causes de la traite, mais surtout les différentes causes de la traite des êtres humains. C'est des éléments qui nécessitent beaucoup de réflexion. Je vous ai dit, quand elle se prépare pour venir, elle vient avec un gros bagage intellectuel, gros français. Le jeudi dernier, je disais que si jamais elle revenait, qu'elle vienne avec le gros français, on pourra au moins saisir. Voilà, qu'on nous a parlé de bien grande, belle façon, avec des mots très, très importants à gérer. On va mettre une pause ici et puis se retrouver peut-être plus tard pour essayer de voir si on peut revenir sur quelques affirmations, quelques informations, quelques mots et expressions employés par notre conférencière du jour, car c'était une radioconférence. Merci, ma sœur. À tout à l'heure. Merci.